Communiqué de presse officiel. L'Église du Réveil du Congo a appris à travers le réseau social qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue à Africana Hotel, qui avait un processus de destitution du président évêque général, le révérend évangéliste Sonny Kafuta Rockman. Après vérification, on a retrouvé l'archevêque général Albert Kankenza et un groupe de responsables avec lequel il avait travaillé quand il était en fonction. Une précision s'impose pour la bonne information de l'opinion publique en général et des églises de réveil en particulier. L'archevêque général aurait relancé les activités de la Ligue des églises ministère de réveil au Congo. C'est pourquoi nous dénonçons l'irrégularité de ces assises qui se sont tenues au nom de l'Église du Réveil du Congo. Nous considérons qu'une seule assemblée générale extraordinaire convoquée par le président national élu, le général Sonny Kafuta, aura lieu du 18 au 19 septembre 2020, conformément aux dispositions contenues dans le communiqué officiel numéro 001-09-2020 à la décision institutionnelle 0019-09-2020. Je vous remercie. C'était le révérend Jean Bosco Kindomba. Nous avons la situation en main et le Saint-Esprit est avec nous. Du haut de cette tribune, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée générale extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance et du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Amen. J'avais des sentiments à la fois de tristesse. Simplement que je ne pouvais pas penser tel que nous avons grandi qu'on pouvait se trahir. Se faire du mal. Ça me dérange. Et ça me fait très mal de voir que deux frères qui ont vécu ensemble 40 ans pour une raison ou une autre peuvent se trahir à ce niveau. Le général Sonny n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas comme un syndicaliste. Mais je parle comme fondateur, comme l'un des acteurs majeurs de notre Église, l'Église du Réveil ici en République démocratique du Congo. On ne peut jamais écrire l'histoire de notre Église et qu'on n'ose pas mentionner le général Sonny Kafuta. C'est un homme important et nous ne pouvons en aucun cas permettre d'une manière ou d'une autre des gens se comporter avec désinvolture par rapport à sa personne.
Nous l'avons choisi et cela s'est passé d'une manière solennelle. Il a prêté serment et même s'il y avait des greffes, nous avons mes bien-aimés nos créneaux pour résoudre nos problèmes. Je suis en train d'appeler un homme, Bishop Albert Kapenza. C'est lui qui est à la base de tout ça. Et je le demande vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ d'arrêter cette mauvaise allure qu'il a prise. Il nous a dirigé durant 21 ans. On ne s'est jamais comporté vis-à-vis de lui comme il est en train de faire par rapport au général. Nous l'avons supporté avec amour. Bishop Albert Kankenza a bénéficié d'une grâce extraordinaire. C'est une personne que nous avons portée, que nous avons aimée. Et nous ne le regrettons pas parce que c'est ce que nous devons être. Mais lorsque la politique se mêle, je crois que l'équation devient un peu plus compliquée. Mais entre-temps, mes bien-aimés, nous, nous sommes là depuis Mobutu. Nous sommes là depuis Moussé. Nous sommes là depuis Kabila et nous sommes là et nous y serons là toujours. L'Église. Je demande vraiment et je me mets à genoux. Je demande au Bishop Albert Kankenza d'arrêter cette mésaventure. Cher frère Albert Kankenza, je t'en supplie, arrêtez ce que tu fais. Arrêtez. Je lui demande simplement une chose, de suivre l'exemple de mon Seigneur. Quand il a fini son mandat, il est parti. Mon Seigneur m'a réuni, quand il est fini, il est parti. Nous sommes le nôtre parce qu'à cette occasion ici, s'il y a une personne qu'on allait considérer comme sage, auprès de qui tous nous devons y aller, vu son expérience de la direction de l'Église, c'est nous. Mais si c'est lui qui devient le problème, c'est ça la difficulté. Je vous épargne de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Ce que le général a dit nous éclaire à suffisance. Ce que l'apôtre Kabongo a dit nous édifie, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le général a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Et il est allé très loin. Il a sollicité notre pardon. Qu'est-ce qu'il y a de plus chrétien si ce n'est qu'un frère qui se tient devant vous et qui dit « si vous ne pouvez pas pardonner ». Le bien-aimé dans le Seigneur, j'ai sous mes yeux, je vais m'arrêter ici, le texte d'Exode chapitre 1er, c'est le seul texte qui m'inspire par rapport à ce qui nous arrive. Et je le demande vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ d'arrêter cette mauvaise allure qu'il a prise. Il nous a dirigé durant 21 ans. On ne s'est jamais comporté vis-à-vis de lui comme il est en train de faire par rapport au général. Nous l'avons supporté avec amour. Bishop Albert Kankenza a bénéficié d'une grâce extraordinaire. C'est une personne que nous avons portée, que nous avons aimée. Et nous ne le regrettons pas parce que
C'est ce que nous devons être. Mais lorsque la politique se mêle, je crois que l'équation devient un peu plus compliquée. Mais entre-temps, mes bien-aimés, nous sommes là depuis Mobutu. Nous sommes là depuis Moussé. Nous sommes là depuis Kabila et nous sommes là et nous y serons là toujours. Amen. L'Église. Je demande vraiment et je me mets à genoux. Je demande au bishop Albert Kankenza d'arrêter cette mésaventure. Cher frère Albert Kankenza, je t'en supplie, arrêtez ce que tu fais. Arrêtez. Je lui demande simplement une chose, de suivre l'exemple de mon Seigneur. Quand il a fini son mandat, il est parti. Mon Seigneur m'a réuni, quand il est fini, il est parti. Nous sommes le nôtre, parce qu'à cette occasion ici, s'il y a une personne qu'on allait considérer comme sage, auprès de qui tous nous devons y aller, vu son expérience de la direction de l'Église, c'est nous. Mais si c'est lui qui devient le problème, c'est ça la difficulté. Je vous épargne de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit. Ce que le général a dit nous éclaire.